Hello Kingdom, comment allez-vous? Give me photo. How are you? This is Prince Mo. Je vous fais cette vidéo pour vous dire que je vais très très bien. Grâce à vous, grâce à Dieu, grâce au soutien de ma famille, je vais très très bien. Je remercie l'implication que vous avez témoignée à mon égard. J'aurais pas pu m'en sortir sans le soutien de tout un chacun de vous. Et je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, sur le continent africain, sur le continent européen, d'autres continents jusqu'au States, qui ont contribué financièrement à mon traitement. Et j'avoue que ça n'a pas été facile. J'ai été dans un centre pendant 6 mois au Ghana. Et... ouais, ça n'a pas été facile, mais je pense que ça a été vraiment nécessaire parce que ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses, de mes faiblesses, de mes qualités, des dangers auxquels je m'exposais quant à la consommation de la drogue. Et par drogue, j'entends l'herbe, hein, j'entends la weed, j'entends pas d'autres substances. Je vous remercie franchement parce que je pense qu'il était temps que je me rende compte de la pente sur laquelle je glissais. On aura le temps de revenir en long et en large sur ma réhabilitation. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui m'écrivent inbox. Mais je fais cette vidéo pour vous dire que je vais très très bien. Je suis sorti de l'hôpital il n'y a pas longtemps et pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement où je suis. Mais sachez que Dieu a répondu à beaucoup de prières. Et il y a beaucoup de gens qui voulaient que je me rétablisse. Alléluia. Je suis bien portant maintenant. Et je ne peux pas donner de nom quant à ceux qui ont participé financièrement à ma réhabilitation, mais je vous remercie du fond du cœur parce que ça m'a permis, comme je disais tout à l'heure, de prendre conscience de beaucoup de choses. Et to all my fans around the world that doesn't speak French or anyway, I would like to tell you that I'm out of the rehab not long ago, and I just need some time to, you know, set up some things, some few things around me, and I'll get back to you soon. And I really would like to take this occasion to thank you from the bottom of my heart, because without your support, I couldn't make it. You know, I cherish the relation you and I, we have. Some people may think I'm exposing myself or something, but you know, let me just keep it real with you. And you know, being in that rehab in Ghana made me realize a lot of things. So as I said, I'll come back maybe during course of the week. I'll let you guys know when we'll have the time to talk more. So, une fois encore, je vous remercie beaucoup. Et sachez que je vais très très bien. M'fonyele, d'akwine maoube, m'teyi, konwanji le kana, ye m'bava le koyen venyele. Fia, yentolale vene le koyen, anya ale ke ma raison lo. Et nous n'avons pas encore. D'accord, merci beaucoup.